Bonsoir à toutes et tous. Pour introduire le concert de ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée par Augustin Dumay, puisque nous célébrons un violoniste fantastique, Suichi Okada. Dès son arrivée à la Chapelle en 2019, Suichi s'est très vite imposé comme un artiste aux multiples talents. En préparant ce petit mot, j'ai sorti nos tableaux et réalisé que Suichi avait participé à quasiment tous les événements majeurs de la Chapelle de ces trois dernières années. Tout d'abord, dans sa qualité de violoniste, Augustin vous en parlera plus en profondeur dans quelques instants. Mais j'aimerais vous rappeler quelques moments magnifiques où nous avons été emportés par son son à la fois pur et élégant. Notamment lors du concert de Noël en 2020, que nous avons enregistré ici même, puisque nous étions encore contraints par la situation sanitaire, et où encore nos deux derniers festivals, dont le festival Americas à Flagey, une soirée autour de Glass et Reich que Suichi a sublimé. Ensuite, il y a le chambriste, que ce soit avec son propre trio, le trio Arnold, qui était également en résidence à la Chapelle, et avec ses collègues chapelliens. Je pense que le nombre de jeunes en résidence présents ce soir prouve à quel point Suichi et populaire. Violoniste à la vision musicale très appréciée, Suichi a participé à de nombreux projets, dont un qui restera gravé, le Quintet de Franck, l'enregistrement du Quintet de Franck, avec une modeste équipe. Nous avions Augustin Dumay, Miguel Silva, Gary Hoffman et Jonathan Fournel au piano. Coffret Franck, qui, je vous le rappelle, a reçu un diapason d'or. Pour terminer ce court portrait, j'aimerais épingler une qualité que l'on retrouve plus rarement, mais qui caractérise l'artiste de ce soir, son leadership. Suichi a ce don naturel de meneur qui l'a d'ailleurs amené à l'idée à plusieurs reprises le Mutch Ensemble dans toutes sortes de formations et à multiples reprises. J'aimerais profiter de cette soirée pour l'en remercier. Ce soir, vous l'entendrez dans un programme qu'il a soigneusement choisi, avec la complicité de sa collègue Amia Janeski. Suichi commencera par le double concerto de Bach, puis nous emmènera dans une romance de Beethoven et terminera par un concerto redouté de tous les violonistes, le quatrième concerto de Mozart en ré majeur.
Avant de céder la parole à Augustin, j'aimerais chaleureusement remercier l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et son chef Van Mardy-Rossian pour leur soutien précieux et fidèle aux artistes de la chapelle. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Le jeune et très brillant violoniste que vous allez écouter ce soir est pour moi le fruit d'une double culture, d'une culture asiatique, mais aussi européenne. J'ai eu le grand plaisir de l'accueillir dans notre laboratoire de travail de la chapelle pendant plus de 3 ans. Cette double culture est dans son cas un atout non négligeable. Je pense que c'est ce qui caractérise aussi son talent musical. La rigueur technique japonaise, associée à la culture germanique et à l'école franco-belge, ce qui fait un très très bon minestrone. Il est un virtuose, mais aussi un musicien de chambre extrêmement expérimenté. Comme l'a dit Anne-Lise, il est aussi quelqu'un qui a un leadership dans les groupes de musique de chambre, ce qui est très important. On en a eu de très nombreuses preuves, et en particulier, bien sûr, pendant cet enregistrement dont Anne-Lise vous a parlé, du quintet de César Franck, qui réunissait Jonathan Fournel au piano, que vous connaissez tous parce qu'il a gagné la dernière session du concours Reine-Élisabeth de Belgique, mais aussi Gary Hoffman, Miguel da Silva et votre serviteur. Je suis sûr que vous allez identifier chez lui toutes les belles qualités dont nous vous avons parlé et que vous allez adorer l'écouter dans le cadre de son artiste diploma. Je vous souhaite une magnifique soirée à tous.
Thank you.
Thank you.
Bonsoir à tous. Je vais vous jouer, du coup, pour terminer ce concert, un extrait de la deuxième sonate pour violoncelle, qui s'appelle Les Furies.